When you first see this city, it seems much like other cities in today's world. Modern, designed for working and living. A place in which to enjoy the good taste of life. And so it is. This city of Casablanca, jewel of the Moroccos. A place some call home, some. But within this city, there's another city. This is the city inside the city, the Mellah of Casablanca. Mellah, ghetto. 60,000 Jews once lived in this ghetto. Now tens of thousands are gone. Gone down the roads that lead to the sea. Gone on the great ships that sail for home. Gone as almost more than 250,000 have gone from Morocco alone. And as still more will go in the days to come. Gone to a place. D'abord, c'est une chose que vous ne savez pas. Quel est le pays d'Afrique où il y avait le plus de juifs? Quel est le pays maintenant? D'Afrique. D'Afrique. Haïti. Was. The most. Oui, oui. It was Morocco. Oui. And what is of the whole Mediterranean country, it was Morocco. So the Jewry is a part of Moroccanity. Voilà. Okay. قلب لاشتاه لهذا المجال مازال حي مازال ما نسمح شي لو يصير عليها القتال. Voilà l'histoire du judaïsme marocain. C'est une histoire triste, mais c'est une histoire glorieuse aussi. Dans chaque ville, il n'y a pas une ville où il n'y a pas un mellah ou un quartier juif. Il n'y a pas de ville sans cela, mais la campagne aussi a des quartiers juifs. Pourquoi c'était triste du Maroc. Parce qu'elle finit comme ça. Pourquoi? Nous sommes actuellement 1 million de juifs marocains dans le monde. Il n'y en a que 5 000 ici. Et quand je dis 5 000, je suis gentil. Et ça, le malheur, c'est ça. C'est que nous sommes les derniers juifs ici, les 5 000 derniers juifs. C'est, en anglais, c'est the 5,000 last Jews of Morocco. Ça, c'est le titre du film que tu vas faire. Voilà. Il y a des juifs depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, ces juifs, chaque fois qu'ils n'ont plus besoin de quelque chose, ils le jettent. Alors, pour écrire, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant, il faut soit des livres de l'histoire, soit des musées. Comme je n'ai pas le temps d'écrire les livres d'histoire, je fais le musée. Voilà.
Bon, alors on a moins créé un musée pour laisser un petit peu de dignité, de savoir, écrit quelques livres. Et puis le musée, c'est pour présenter aux juifs et aux pas juifs, et surtout aux pas juifs, ce qu'était le judaïsme marocain. Allô? Oui? On appelle de la Béchala. Tzaratoran Neve Shalom in Morocco is an association of schools. We used to have many schools a few years ago, but now we have only the only one where we are here, called Neve Shalom. We have a primary school here downstairs, and upstairs there is a grammar school. We have general studies and Hebrew studies. We used to say limude kodesh, limude kodesh, limude hol, and normally it's half and half. The teaching is in French. The teaching language is in French. Now in Hebrew, they learn vocabulary, they can't speak fluently Hebrew. We have Hebrew literature, we have Hebrew grammar, we have all the Chagim. We celebrate all the Chagim, we prepare the pupils to all the Chagim, like Pesach, Purim, Shavuot, etc. According to Tana, you know, Tana is a rabbi of the Mishnah, the best job in the world is education, is to teach. To teach, not only to teach, but to educate, to transmit the values, universal values and Jewish values. This is the best important thing to do. Even it becomes a little bit hard nowadays. It's very hard, but it's the best thing to do. Education. To deal with education, to deal with pupils. It's a bracha. Really? Cette école est
C'est une école normale hébraïque où, qui a été fondée en 1946. Et cette école était faite pour former des professeurs. Des professeurs en enseignement juif. Des photos de l'école avant. In the beginning. Depuis la fin des années 60, cette école est devenue une école classique où on prépare les élèves au baccalauréat. Et nous, nous nous sommes spécialisés dans le baccalauréat scientifique, physique, chimie, biologie, mathématiques. Et cette école va de la 6e à la terminale. Il y a 174 élèves. Et ce sont des élèves qui reçoivent un enseignement général, mais aussi un enseignement juif de judaïsme, c'est-à-dire Torah, Mishnah, hébreu, histoire et culture juive. Donc j'enseigne l'hébreu, j'enseigne le judaïsme, Torah, etc. Et l'histoire juive. Pour savoir ceux qui prennent le repas. Une, deux, trois. Moi, quand j'étais petit, je suis venu dans cette école. Et après, j'ai quitté. J'étais en France, j'étais en Israël. Et puis, on m'a contacté, on m'a dit, voilà, tu as dirigé des écoles en France, est-ce que tu ne peux pas venir nous donner un coup de main ? Quelques années, j'ai dit, pourquoi pas ? Ça m'a fait des souvenirs, de nostalgie, etc. Je me suis dit, bon, je reviens, voilà. Ça, c'est mon bureau ici. D'accord. Bureau de deux directeurs, oui. Ce monsieur et moi-même. Voilà, ici, c'est mon bureau. Ah bon. Voilà. Ça, c'est le bureau, tout simplement. Ici, il y a une photo d'école. Ah, avant. Oui. 1960. Tous les étudiants, 100% des étudiants, après le bac, quittent le Maroc, ne font pas d'études universitaires au Maroc. Donc chaque année, des élèves nous quittent, qui sont la jeunesse de cette communauté, et qu'on ne retrouve plus après, puisqu'ils font leurs études, ils se marient, ils ne reviennent ici que pour la famille. Donc la communauté perd sa jeunesse, et elle est une communauté vieillissante. And those who are keeping the community, it's not the pupils, it's not the children. Of course, the future of the community is the children. The future of a people is the children. But here I think that the adults are more keeping the community than the children. Because the adults are working here, the adults, they have their roots here, the adults are involved, are evolving in a lot of things. The children, some of them don't care, don't mind. And this is, it's another generation. Just a joke. Pour son projet. Dire, reste ça comme ça avec les doigts. Arrête, arrête. D'accord. Reste avec moi. Elle veut pas la télé, elle veut se faire connaître. C'est ça. So my name is Kevin Benassili. I was born here in Casablanca, in Morocco. I'm 17. Bonjour, je m'appelle Oana Jonathan. Je suis né à Casablanca. J'ai 17 ans et je suis d'origine d'Israël. Je suis né à Casablanca, mais ma mère en Israël et ma sœur en Israël. Et j'ai le passeport israélien. Yeah, this is a Jewish place when Jewish people can meet and play football or basketball there. Ce lieu s'appelle le Dej. C'est un lieu où tous les jeunes y se rencontrent, on fait du sport, on pratique du sport. Et on fait beaucoup d'activités ici. Il y a un restaurant cachère, on se retrouve, c'est sympathique. Il y a une école ici aussi, pour primaire. Il y a la maternelle de l'autre côté. Donc voilà, c'est un espace culturel juif. C'est seulement pour les juifs. Ouais, seulement pour les juifs.
I'm not really religious, but I have Pesach, that's it. I respect that, but Shabbat, I don't do that. I can't. I try, but I don't manage. Au Maroc, qu'est-ce qui est difficile, c'est surtout de manger cachère. Même si vous voyez ici, on a un restaurant cachère. On a mais le cachère au Maroc, c'est pas vraiment cachère. C'est il y a des problèmes et des trucs, mais grâce à Dieu, ça va s'arranger. Non, je rentre chez moi, laisse-moi, je vais. Non, mais moi aussi, si je rentre chez moi. L'année prochaine, je suis en terminale et après, je vais à l'université. Et où tu veux aller à l'université? En Israël, Bar Ilan. I'm planning to go living in Canada, in Montreal, in McGill University, but I know it's hard, so I have to work. After you graduate, do you think you're going to come back to Morocco? I don't think so. I don't want to come back living here, just in vacation, to see my parents and my friends, because really I'm fed up with that country. I don't feel there's nothing to do here. Mais je pense que généralement, après que les enfants partent, les parents ne vont pas rester tout seuls au Maroc. Donc ils voudront les rejoindre, ou en France, ou bien en Israël, et que le Maroc il va se vider d'ici bientôt. I can't imagine my life here, my future life here. There aren't universities, good universities here, there's nothing. So we are here because our parents live here, that's it. So he has to Morocco if he wants to succeed in life. You know. The funny thing is that I'm more informed about European countries and what happens in European or about Truscan. I'm not sure he did really that with that that woman. I think she planned everything to deprive him some money because she knows she's rich. But he isn't as innocent as he says, that's sure. Ça dépend. Si les jeunes continuent à partir comme ils font aujourd'hui, ça va être plus court. Et même, voire peut-être qu'il n'y aura plus de juifs. Donc on ne sait pas encore. Ça dépend. Il y en a qui partent, qui reviennent. Mais lui, maintenant, il voulait remplir encore. Non, c'est fini, hein. Tu arrêtes. Hein. Cette synagogue a été faite par mon père, qui est décédé maintenant en 2002, Joseph Ohana, donc qui est le fondateur de cette synagogue à Casablanca. Il y en a quelques-uns qui reviennent. Bon, mon cas, par exemple, j'ai étudié en France, puis après j'ai travaillé en France, mais je suis revenu juste avant de me marier au Maroc. Bon, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Ma femme, elle est d'origine israélienne, donc toujours, elle est donc marocaine d'origine. Mais elle est israélienne, donc je l'ai connue quand elle était en vacances ici pour visiter sa famille. Et donc quand on s'est marié, on s'est installé ici. Mais on n'a jamais coupé, on va dire. Même quand on vivait en Europe, on avait toujours un lien avec le Maroc. Et donc on venait plusieurs fois, à savoir pendant les fêtes, c'était toujours l'occasion de revenir. C'est les Juifs des fesses, c'est les Juifs d'origine d'Espagne. Ouais. Charlie, d'origine d'Espagne. Une bonne partie, les faciles donc, qui ont été, oui. Voilà. Il reste toujours un lien parce qu'il y a les moments forts, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de saints qui sont enterrés ici au Maroc. Et donc, on a toujours gardé un lien. Donc, dans les moments de pèlerinage, il y a beaucoup de juifs marocains qui reviennent pour visiter leur lieu de naissance ou pour assister à un pèlerinage donc d'un saint d'une partie du Maroc ou d'une autre.
درشي من القاه يا حبابي ومساش الله قلبي ما ينسى خاطري ما يصبر مسكين ذاك اللي نهوى في المحاين ما زلت معاه كان الله داين زها ويرجع لي في الحين مازال حي مازال محبوب القلب لا شطول هذا الميزان مازال حي مازال ما نسمح شي ويصير عليها القتال Levin, exact. Mais bon, comme c'était Shabbat, je n'ai pas pu avoir ses coordonnées. Est-ce que tu aurais éventuellement ses coordonnées? Parce qu'elle m'a dit qu'elle vous avait rencontré, tout ça. I was born in the old Jewish quarter. In the old Jewish quarter, so called, we call the Mellah. But since seven years old, I was just running in the old Jewish quarter. Of the Mellah, so I have some souvenirs that it was a very special life, you know. At this moment, we used to be close to around 25,000 Jewish people, all of us living in this area of called the Mellah, Jewish quarter. Still have like only two families, only two families still living in the Mellah. C'est grand salon. Oui. Et c'est grand salon. Et tous les gens, les groupes, ils mangent ici. On fait un grand table, 70 personnes. Mon nom c'est Moïse Perez et je suis né en 1979. J'ai 31 ans. J'ai parti 15 ans parce qu'il n'y avait plus l'école, il n'y a plus des jeunes. Ils sont tous partis. Il n'y a pas beaucoup de juifs. Et s'il y avait des juifs, je reste. Mais il n'y a plus de juifs, ils sont tous partis. Et voilà. Et après, moi, je suis parti leur rejoindre. Déjà, j'avais ces oiseaux. Et quand j'étais petit, on saute là-bas, on joue cache-cache. Les petits enfants, il y avait des jeux partout. On parlait contre les voisins. Et c'était comme la colonie. On était tous ensemble. Il n'y a pas un qui ne connaît pas, tous se connaissent. 1940. 1940, là-bas, ils étaient l'école des Juifs. Hein. L'école des Juifs de CP jusqu'au CM2. Après, ils vont à Casablanca ou sinon ils vont à Paris pour continuer les études. Là, c'est Bahia, quartier des Juifs. Tout là, c'était quartier des Juifs. Tout. Ça, c'est au Mellah, au Médina. Et l'autre côté, c'est des guélises, les gens qui sont riches. Et là, c'était garage pour les petits enfants pour amener à l'école à Guilise. Il y avait un grand garage ici, il y a le car, très ancien. Le car. Et les enfants, ils attendent là-bas le matin à 9h du mat. Et le chauffeur, il amène à l'école et après, il revient 5h l'après-midi. Maintenant, il n'y a que des vieux qui sont restés et tous les enfants sont partis. Et comme les enfants ils sont partis, les parents ils les suivent. Et les enfants ils grandissent, ils vont à Paris, Canada, partout. C'est dommage qu'il n'y a plus beaucoup de juifs. S'il y avait encore des juifs, au Maroc, Marrakech, ça va très bien passer. Parce qu'il n'y a plus de juifs. Tous se connaissent, c'est pas comme Paris, bonjour, au revoir, on discute. Genre on est là le soir, on discute la terrasse, on discute le balcon, on descend en bas, on joue les foot,
tous les enfants. C'est bon souvenir quand j'étais jeune. Et là, chaque année, j'y viens voir mes parents et je ne peux pas oublier au Maroc. Je ne peux pas oublier Marrakech. J'ai grandi Marrakech, je n'arrive pas à l'oublier. There are very few, you know, we still now less than 200 people. Tangier, there are less than 70, or Meknes or Fez, less than also 60, 50 people. Agadir, less than 40, and very, very few. But all of us have a big responsibility about our heritage. Our synagogues, our cemeteries, so we have to leave things in a good condition. We know definitely that we are going to be, and we are not going to be, but we are already definitely the last generation, and we know that that demographically we are sure that for the next 15-20 years it could be sad that we will be very, very, very almost finished. Yes, it's when I always speak about this, it's make me very sad because I see that it is hard to remember, you know, how it was and now how it is, and that because we are very, very conscient about the future. You know, here in Morocco, we have many, many tzaddikim, the holy men, you know, who are buried in many places in Morocco. And for every time in the year where is the date where they passed away, so it's the time to make, to do a hilula, we call it the hilula. So it's the opportunity to go to the place to with many people, to light candles, to pray, you know, on the zechut, on the merit of the tzaddik, to ask what we could ask from God, you know. Cette fille, c'est là, c'est le saint de Rabbi David Dreher Lévi. Ce lieu, c'est un saint qu'on vient pèleriner depuis mes grands-parents. Moi, mes grands-parents venaient ici tous les ans.
on garde cet endroit comme un endroit de Kodesh. Ça, c'est un saint qui se trouve dans une zone où il y avait des villages, dans les environs, où il y avait des petites communautés juives. Un saint qu'on appelle Rabbi David Dra'alevi, qui est venu de la ville de Debdou et qui donnait des shiurim, et qui avait une yeshiva dans le côté là-bas. Le saint, c'est-à-dire que c'est un avocat entre lui et Dieu. C'est qu'il a, il y a eu beaucoup de miracles ici. Mes parents, ils ont vécu des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de choses qui les a fait étonner. Il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois années, un monsieur, il est venu comme ça juste pour pèleriner. Une femme, elle n'avait pas d'enfant. Le monsieur, il a mis le téléphone sur la tombe, la femme, elle commence à prier. Quand par hasard, ce monsieur-là, après qu'il ait jeté les bougies, il prend une photo du feu, il voit le rabbi prendre un bébé. Il voit le rabbi prendre un bébé, même pas un mois ou deux mois après, elle est tombée enceinte, la femme. Il fait beaucoup de miracles, ce rabbin. C'est le saint de mes beaux-parents et c'est l'anniversaire de ce tzaddik, donc on est obligé de venir, ça tombe dans cette période, à Shavuot. Eh bien, cette fête, eh bien, on allume les bougies, on chante et on prie en même temps le saint. Shavuot, à l'époque, il y avait plusieurs familles qui venaient, mais aujourd'hui, malheureusement, par rapport à la diminution de la communauté, donc il n'y a plus que quelques familles qui viennent passer la fête ici. Et éventuellement, on voit que les bâtiments qui existaient avant, ils ont été un peu démunis dans la construction, donc ils ont commencé à construire quelques maisonnettes plus potables pour qu'on puisse faire revenir le monde malgré qu'il n'y ait plus ici. Ils vivent un peu à l'extérieur du Maroc, mais on essaye de maintenir toujours des minyanes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Pourquoi est-ce que le judaïsme marocain, avec sa langue arabe, ses traditions, ses proverbes, tout cela, pourquoi ça disparaît? Pourquoi? De quel droit est-ce que d'autres juifs ont fait disparaître ce judaïsme? Voilà la question. Je ne réponds pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de droit non plus. Mais il y a une réalité, la réalité est là. Bon, je ne dis pas que c'est une chose dramatique. Sauf ça dépend qu'est-ce que ce qu'on met comme un drame. Pour moi, la fin d'une communauté, c'est un drame. Pour d'autres, non. Mais pour moi, c'est un drame parce que c'est toute une tradition, c'est 2000 ans de vie de gens qui ont ajouté un peu, enlevé un peu, transformé, travaillé. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé. تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي حبيبي بشتلك تملي عني تندلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتلك تملي عني تندلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي